quand ça arrive, Mera n'est pas perçu comme un attentat, vous savez, les attentats aveugles qui peuvent toucher sans distinguo toute la population. Il y a des militaires, qui représentent l'armée française parce qu'on est en Afghanistan, et des juifs. Donc, c'est des catégories bien précises. Et quand il y a des attentats sur des catégories bien précises, ça n'émeut pas l'ensemble de la population, c'est horrible à dire, mais de manière indifférenciée. Voilà, ça, comme si ça n'avait pas touché l'ADN de la population française. Bon, grave erreur, puisqu'en fait, un coup c'est des militaires, un coup c'est ça, mais après ça peut être autre chose, un prof, etc. L'analyse est mauvaise. La vérité, c'est que tous les attentateurs de cette obédience sont pareils, même si à un moment donné on privilégie une cible par rapport à une autre, on y passera derrière, de la même façon. Donc ça n'a pas, c'était pas pertinent. Mais effectivement, ça n'a pas porté ça. Mais contrairement à ce que vous pensez, Charlie Hebdo non plus. Charlie Hebdo a pas été perçu. On a été choqués parce que tout le monde avait connaissait ses dessinateurs. On avait grandi avec toute une génération, qui avait grandi avec Cabus. Ok. Donc on l'a pas. On l'a perçu comme quelque chose de particulier encore. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que la réaction a été. C'est redescendu. Ok. Il y a une grande manif, tout ça. Et c'est redescendu très vite. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs, vers la fin, avant de partir, j'ai alerté, attention, on va se prendre des gros attentats, et ça va pas être du Charlie Hebdo. Et c'est arrivé avec le 13 novembre. Et 2015. Croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça, le tournant ne soit janvier 2015. Non, il est novembre. Voilà. Là, oui. Là, sous les Françaises, dans son ensemble, a vu l'horreur. Les Belges, pareil. Mais pas janvier 2015.